Et bim! Et bim! Je sais pas si vous voyez. Voilà, 3 lignes, 45 minutes. Bon, 45 minutes pour faire 3 lignes. Donc un quart d'heure par ligne. C'est des lignes de exactement 22 mètres 50, 23 mètres réellement de culture. Ce qui fait que ça fait du 90 mètres à l'heure. 90 à l'heure, les gens, 90 à l'heure. Moi, j'en connais pas beaucoup des tracteurs qui sont capables de travailler leur sol à 90 à l'heure. Sérieux, quoi. Bon, moi, j'en connais par contre qui sont capables de dire débiter des conneries à la minute de façon incroyable. Bon, bien sûr, tout est relatif. Mon sol, il a été désherbé. À la bâche, vous avez vu, juste avant, j'avais une culture de patates l'année dernière. Donc, un petit peu décompacté le sol quand même, mais voilà, il reste quand même assez dur. C'est un sol un peu lourd, mais sans trop, enfin pas trop non plus. C'est un sol qui se travaille bien, j'ai pas trop d'adventices à gérer dedans. Il y a un peu de rumex, un peu d'ortie, mais globalement ils sont pas trop gênants. Et puis d'un point de vue corpulence du bonhomme, je fais 1m80, 80 kg, tout en muscle évidemment. Donc évidemment c'est physique. Je vous garantis qu'après ça, t'as plus envie d'aller à la salle. La salle, aller chez toi, dehors, là, dans la pépinière. Ça maintient, quoi, comme on dit. Hein. Ça permet de conserver le bonhomme ou la gonzesse. Bon, c'est bien beau, la corpulence du bonhomme. Ça vous donne un aperçu un peu de l'énergie nécessaire pour travailler ça. Ce qui est important, le flow. Le flow. Je vous en ai déjà parlé à la première vidéo. Dans l'itinéraire technique, le flow est important. Et là, ici, il peut rythmer le travail. Alors, on évite le reggae, c'est un petit peu trop mou. Mais ça reste sympa pour se détendre. Sinon bah, on est plus sur du métal un temps sur deux parce que sinon ça va aller trop vite et là vous allez casser la machine, attention hein, machine, hein, ça c'est une machine de haute précision donc attention, c'est fragile. Bref, vous m'avez compris. Donc pour vous rappeler, c'est la Pitchoun, c'est une campagnole, une petite campagnole de 30 cm de large à contre-dents fixes. D'ailleurs elle n'existe qu'avec des contre-dents fixes puisque les campagnols habituels, on peut choisir entre contre-dents fixes ou contre-dents ressort. Bon, là on n'a pas de cailloux, donc c'est très bien d'avoir une fixe de toute façon. Voilà, donc on est sur du 90 mètres à l'heure, bien sûr, c'est pas mal en fait. Vous pouvez faire vos calculs, parce que là, je vais avoir en tout peut-être une trentaine de lignes, donc une trentaine de lignes divisées par 4, ça fait 7,5 heures de travail du sol pour me faire 5000 boutures. Ça va, hein, c'est pas énorme. Alors bien sûr, je le fais pas tout en une journée, parce que ça reste quand même assez physique. Parce que vous allez à la salle toute une journée entière. Non. Ou alors vous êtes fou. Donc moi, j'aime bien me faire des petites mesures comme ça de mon temps de travail sur certains travaux. Ça me permet après, de, en mettant tout bout à bout, de savoir combien de minutes je mets sur un plan vendu. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo, puisque on ne va pas tout faire dans la même. Hein. Voilà, donc cette semaine, je vais avancer là-dessus pour pouvoir avancer mes boutures. J'aimerais bien finir ça dans moins de la quinzaine, puisque bientôt arrive la période des greffages. Les collègues bord de mer ici ont déjà des arbres qui débourrent, donc ça veut dire qu'ils commencent bientôt à greffer. D'ailleurs, je salue Flo et Martin, notamment, qui sont dans ce cas-là. Bon, voilà, bah, quand je suis motivé à faire des vidéos, ça m'arrive de pouvoir en préparer plusieurs dans la semaine. Quand c'est des vidéos assez courtes, en plus, ça se monte rapidement. Je fais pas d'effets spéciaux non plus sur les vidéos, vous avez vu. Hein. J'ai jamais dit encore sur les vidéos, mais après tout, pourquoi pas. Pensez à mettre un pouce bleu, à activer les notifications, là, la cloche, je sais pas quoi, là, et puis à vous abonner surtout. Hein. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai préparé la zone, j'ai tiré les cordeaux et j'ai pitchouné 4 lignes. Donc pour cet après-midi, ça ira, puisque de toute façon, j'ai une commande à aller préparer, parce que je fais une livraison demain. Donc je vous dis canavo. Comme on dit, os.
Il se reconnaîtra le breton.